Bonjour à tous. Vous êtes nombreux à nous rejoindre sur ce webinaire, Tara, aux sources de la pollution plastique. Tout d'abord, bienvenue au webinaire Tara. Nous sommes ravis de pouvoir proposer à notre public, à nos followers, aux amis Tara, ce webinaire sur la question des plastiques en mer, basé sur l'expédition, la mission Microplastique 2019 que nous avons réalisée donc l'année dernière. Donc, bienvenue à tous. Vous êtes nombreux à nous rejoindre cet après-midi pour ce webinaire. Je m'appelle André. Je dirige le pôle plaidoyer de la Fondation Tara Océan et je vais faire une petite introduction avant de laisser la parole à nos invités spéciaux, les chercheurs Jeff et Leila, que je laisserai présenter dans quelques secondes avant de vous dire juste un mot sur l'enjeu plastique et Tara, pourquoi on est là avec vous aujourd'hui sur cette question. Donc, Tara travaille sur la pollution plastique depuis une dizaine d'années. C'est un enjeu majeur pour l'océan aujourd'hui. La pollution plastique menace la biodiversité marine. Elle est omniprésente, elle est partout aujourd'hui dans la mer. Et donc, la goélette Tara prélève des plastiques et se fait face à cet enjeu depuis de nombreuses années. Et donc, c'est pour ça qu'en 2019, on a décidé, on a mis les caps vraiment sur cette question des microplastiques, avec une approche différente, une approche de aller retrouver les origines de cette pollution qui sont pour la majorité dans les fleuves, donc l'interface terre-mer dans les fleuves. Et donc c'est pour cela qu'il y a un consortium spécial a été formé et c'est Jean-François qui est avec nous aujourd'hui, qui a été aux commandes de cette expédition l'année dernière. Donc je vous laisse Leila et Jeff vous présenter brièvement. Bonjour à tous. Moi, je suis Jean-François Guéguillon. Donc, je suis directeur de recherche au CNRS et j'étais directeur scientifique de cette mission qui a été vraiment palpitante l'année dernière. On a fait beaucoup de travail pour essayer de comprendre mieux d'où viennent ces plastiques. Bonjour, je m'appelle Leila Meistersheim, je suis docteur en biologie marine, spécialisée en toxicologie, et moi j'ai participé dans le cadre de cette mission, en particulier sur la partie terre, donc tout ce qui était vraiment sur les plages, les berges, et je parlerai des organismes aussi. Super, on va retrouver Leila et Jeff tout à l'heure pour la présentation scientifique de ces webinaires, mais avant, on a un petit film pour introduire la thématique en images. Juste une petite introduction avant de vous montrer le teaser. Donc, Pauline, vous ne me voyez pas, mais juste pour vous dire, je travaille à la communication de Tara. Et donc, si vous avez des petites questions à poser pendant le webinaire, nous y répondrons à la fin. Pour poser vos questions, vous avez deux façons. Vous avez un chat qui se situe dans votre panneau sur la droite. Donc, vous pouvez à tout moment envoyer un message à tout le monde et nous tenterons de répondre à chacune des questions. Ou sinon, sur votre panneau, vous avez un petit symbole main en orange et ça vous permettra de, comme dans une salle finalement, de lever la main et nous pourrons vous donner ensuite la parole. Vous pourrez poser votre question à l'oral et on pourra y répondre. Voilà, donc deux options. Et puis maintenant, place à la vidéo. Dans l'océan, il y a la pollution plastique que l'on voit et il y a celle qu'on ne voit pas. Les microplastiques, grands comme des grains de riz, ils représentent 94% des plastiques retrouvés en mer. Océan Arctique, Pacifique, mer Méditerranée, depuis 2010, la goélette Tara étudie ces minuscules fragments de plastique présents dans tous les océans du globe. Pour mobiliser contre cette pollution invisible, la Fondation Tara Océan et ses partenaires lancent une nouvelle mission entre terre et mer. Son objectif: remonter les principaux fleuves d'Europe, identifier les sources de pollution plastique, analyser leurs impacts sur la biodiversité et orienter les mesures à prendre. De juin à novembre 2019, de la Bretagne à la mer Baltique, de l'Atlantique à la mer Méditerranée, la goélette Tara et son équipage font escale dans 18 ports d'Europe pour partager l'importance de préserver l'océan. Plastique en mer, les solutions sont à terre. Fondation Tara Océan, explorer et partager.
Voilà la petite vidéo qui a marché plus ou moins bien selon les connexions de chacun. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Je laisse la main donc à Jean-François pour avancer sur la présentation de cette expédition. On a quelques diapos qui vont guider cette présentation de Jeff. Alors, je vais essayer de faire la présentation. Ouais, j'affiche mon écran là. J'aurais juste besoin que vous me disiez si ça va bien. C'est bon, vous voyez bien la présentation? Très bien. Oui. Okay, super. Bon, mais c'est un vrai plaisir en fait de vous expliquer un petit peu pourquoi on a fait cette expédition et les enjeux qu'il y a derrière. Vous savez tous en fait qu'on a une vraie pollution plastique dans les océans. Ça a été largement médiatisé et beaucoup médiatisé en fait via les dernières expéditions qui se sont placées à Tara depuis une dizaine d'années. Ça fait une dizaine d'années en fait qu'on travaille sur ces plastiques. On a pu montrer qu'on en a trouvé en Arctique, mais on en trouve partout en fait dans le monde de ces plastiques. Et puis ce qu'on sait en fait sur ces plastiques, d'abord c'est deux trois chiffres à vous donner parce qu'ils sont importants. La première chose, c'est que on sait que 10% de nos déchets, 10% de nos poubelles finissent en mer. Vous avez tous vu des poubelles comme ça en fait qui débordent. Ben, c'est ces poubelles qui débordent qui vont être essentiellement les vecteurs de ces polluants en fait qui vont arriver en mer. Et on sait que 80% des déchets qui arrivent en mer, ils viennent du continent. Donc il ne faut pas imaginer en fait que la pollution en mer, elle vient de la mer. La réalité, c'est qu'elle vient de nous, de vous, qui laissons négligemment s'envoler un sac plastique en haut de la montagne, et ça va petit à petit descendre dans un fleuve et ensuite arriver dans la mer. Donc les chiffres qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a à peu près 8 millions de tonnes par an de plastique qui arrive en mer. C'est l'équivalent d'un camion ben par minute. Donc vous voyez l'ampleur de la quantité de plastique qui arrive en mer toutes les minutes. Alors, comme on le disait, en fait, ça fait 10 ans qu'on travaille sur ces plastiques. La dernière expédition, avant celle de 2019, c'était en 2014, où pendant 7 mois, on a fait le tour de la Méditerranée et on s'est rendu compte, en fait, que cette mer Méditerranée, malheureusement, qu'on connaît bien, eh ben, elle est particulièrement touchée par la pollution. Et on a trouvé, en fait, dans certains coins de la Méditerranée, une pollution qui est tellement énorme en microplastiques. Donc, ces plastiques qui sont moins de 5 mm, qui font la taille d'un grain de riz. Ces microplastiques, en fait, on sait qu'ils ont à peu près la même quantité que le plancton. Le plancton, c'est la base de la chaîne alimentaire. Donc, ça veut dire qu'un poisson qui mange normalement du plancton, eh ben, dans son assiette, en Méditerranée, dans certains endroits, il a une chance sur deux dans son assiette d'avoir du microplastique. Donc là, ça vous montre aussi la quantité de ces petits morceaux de plastique qu'on va retrouver en mer et qui vont avoir des effets très, très délétères, en fait, sur toute la chaîne alimentaire. Alors, au vu de ça, donc ça datait de 2014, en 4-5 ans on a évolué en fait dans la recherche et on s'est rendu compte que les quantités de plastique elles arrivaient essentiellement des fleuves. Donc c'est pour ça qu'on a lancé cette expédition, pour mieux comprendre les flux qui arrivaient des fleuves. Donc cette mission en 2019, les objectifs, il y en avait deux. La première chose, c'était d'identifier les sources et de prédire le devenir de cette pollution plastique. Parce qu'en réalité, la plupart des recherches qui ont été faites pour l'instant par les scientifiques, elles ont été paradoxalement faites en mer et très peu dans les fleuves. Et puis, le deuxième objectif de cette mission, c'était d'évaluer l'impact de ces plastiques sur la biodiversité de manière générale, à la fois dans les fleuves, mais aussi en mer. Donc, c'est ce qu'on appelle le continuum terre-mer. Donc, on voit en fait l'impact que ça va avoir sur l'environnement de manière générale. Alors, comment on a fait? Peut-être que vous n'avez pas vu tout à l'heure dans le teaser la carte. Donc, la carte, elle était là. Ça, c'est une expédition qui a duré 6 mois. Donc, on est parti en mai, on est arrivé en novembre 2019. Donc, c'est tout frais pour nous en tant que scientifiques parce qu'il va nous falloir du temps ensuite pour analyser tous les résultats. Mais pendant ces 6 mois, en fait, on a eu le temps de faire 9 des plus grands fleuves d'Europe et d'aller explorer ces 9 des plus grands fleuves d'Europe. Donc, vous avez la liste ici, pas seulement en France. Hein, il y en avait en Angleterre, en Allemagne, on est allé en Italie, en Espagne, etc. Donc, une super belle mission parce qu'on a cette goélette à disposition, nous, les scientifiques, pour faire tous nos travaux à bord. Et au total, on a eu 41 scientifiques, en fait, qui sont impliqués dans cette mission, qui sont venus les uns après les autres. Hein, sur le bateau, en général, on est à 5 scientifiques à bord. Et ça représentait, en fait, 15 laboratoires de recherche avec des spécialités complètement différentes. On a à la fois des chimistes, des physiciens, des biologistes qui se relaient, en fait, sur le bateau. Poursuivre un protocole très détaillé. Alors, ce protocole, en fait, il va nous permettre de décrire les flux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire les quantités de plastique qui vont arriver par les fleuves et essayer d'estimer ensuite où est-ce qu'ils vont aller.
Et ensuite, on utilise des outils mathématiques qui sont liés avec des satellites pour savoir un petit peu où est-ce qu'ils vont aller, tous ces plastiques. Est-ce qu'ils vont revenir vers les berges ou alors est-ce qu'ils vont rester près des côtes ou aller plutôt vers le large? Donc, c'est tout le défi en fait, de cette mission. L'idée, c'est vraiment de vraiment aller sur le terrain, connaître les quantités de plastique qui arrivent et ensuite voir où est-ce qu'ils vont aller. Le deuxième aspect, ensuite, ça va être de regarder un petit peu la vie qui est sur ces plastiques, parce qu'on s'est rendu compte que un plastique, vous pensez que c'est inerte, il n'y a rien dessus. En réalité, vous avez une image ici sous la loupe. Quand je prends mes microplastiques et que je le regarde sous la loupe, j'ai ça. Vous voyez qu'il y a beaucoup de vie. Le vert ici, c'est le phytoplancton, c'est un peu la base de la chaîne alimentaire. On a un petit peu de zooplancton aussi qui est là. Et nous, ce qui nous intéresse, en fait, c'est de voir l'effet que va avoir toute cette vie, cette biodiversité qui s'installe sur les plastiques. Et puis, la deuxième chose, c'est que, comme vous le voyez, en fait, sur ces plastiques, on a des tout petits organismes, notamment des micro-organismes. Et aussi, en fait, là-dedans, on a à la fois des bactéries. Vous entendez beaucoup parler des virus avec le Covid pour l'instant. Donc, on s'intéresse à tous ces tout petits micro-organismes qui s'attachent sur les plastiques. Et certains d'entre eux peuvent être pathogènes. Donc, pathogènes, ça veut dire qu'ils peuvent transmettre des maladies à l'homme. Et puis, certains d'entre eux également, on a beaucoup de larves qui vont s'installer sur ces plastiques. Et il faut bien comprendre en fait que ces plastiques, ils vont aller partout dans les océans. Et donc, ils vont servir de radeau pour toutes ces espèces, les bactéries, mais également toutes les larves qui vont aller se disséminer un petit peu partout. Et on a un peu des craintes par rapport au transport d'espèces qui sont invasives, qui n'ont rien à faire à un endroit donné, mais qui ont été baladées en fait par ces plastiques. Et puis, un dernier aspect qui nous intéresse beaucoup, c'est savoir est-ce que ces bactéries sont capables de biodégrader les plastiques. On sait que c'est des phénomènes qui sont très, très lents, mais qui sont encore très peu étudiés. Donc, ça, c'est dans les grandes questions de cette mission. Alors, les prélèvements majeurs, en fait, on en fait plein des prélèvements, mais celui qu'on utilise le plus, c'est un filet Manta. Donc, vous voyez, c'est un filet qui a une toute petite maille. Donc, comme un filet pour attraper les poissons, mais cette fois-ci, on va essayer d'attraper des tout petits morceaux. Donc, il y a une toute petite maille. Et puis, on l'a modifié un petit peu, ce filet, pour qu'il puisse flotter. Donc, c'est pour ça qu'il ressemble à il a des ailes un petit peu en surface. On l'a appelé le filet Manta parce qu'il ressemble à une raie Manta un tout petit peu. Et les plastiques, vous voyez, en fait, l'eau va rentrer dedans. Les plastiques vont être piégés à l'intérieur. Et c'est comme ça qu'on va réussir à quantifier nos plastiques, puis étudier la vie qu'il y a sur ces plastiques et leur composition également. Alors, les prélèvements, pendant toute cette mission, ils ont été faits sur 9 fleuves différents, comme je vous l'ai dit au départ. Mais dans chacun des fleuves, on a fait une stratégie qui était, on fait des prélèvements. Le premier prélèvement que vous voyez à gauche, c'est un prélèvement en mer, au large. Et puis après, on va aller au niveau du fleuve, à l'embouchure du fleuve, à la sortie du fleuve. Et on va remonter petit à petit vers la plus grande ville. Donc ici, pour l'exemple de la Seine, c'était Rouen. Et on va faire un prélèvement en dessous et au-dessus de la ville pour voir l'influence de la ville. Est-ce qu'elle apporte des microplastiques? Est-ce qu'elle apporte des polluants particuliers? Et en regardant entre en dessous et au-dessus de la ville, on arrive à voir s'il y a une différence. Alors les prélèvements, Laila va en parler ensuite sur d'autres prélèvements qui ont été réalisés, mais je vous ai parlé des prélèvements sur les plastiques, mais on fait également des prélèvements d'eau pour savoir dans quel environnement on se place quand on fait nos prélèvements sur les plastiques. Et puis, on fait des prélèvements aussi dans des nasses qui ont été laissées depuis un mois, juste avant l'arrivée de Tara, pour voir la colonisation déjà qui peut y avoir au niveau à la fois des bactéries, mais également des polluants, parce que dans les fleuves, vous savez que c'est des zones qui sont assez polluées, et on s'intéresse aussi à savoir quels sont les polluants qui sont sur les plastiques. Alors, en quelques chiffres, c'est une diapositive avec beaucoup de chiffres. Là, vous voyez en fait qu'on a quand même parcouru 17 000 km avec la goélette Tara. Et ça, c'est une vraie chance pour les scientifiques d'avoir cette goélette parce qu'elle nous permet en fait d'avoir un bateau pendant très longtemps en fait et de pouvoir aller dans tous les coins du monde. Donc ici, on a fait le tour de l'Europe et on a réussi à récolter plus de 2700 échantillons. C'est complètement exceptionnel. 45 stations de prélèvement. On attend plus de 6 milliards de séquences d'ADN. Vous savez, ces petits morceaux d'ADN qui nous permettent de comprendre mieux la vie. Eh ben, on va faire beaucoup de ça. Et grâce à cette expédition, en fait, on s'attend à répondre à toutes les questions dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, à la fin de l'expédition, on a quand même quelques premières tendances, même si on sait que la science, au final, à la fin de cette expédition, il va nous falloir à peu près 2 ans pour analyser tous nos résultats. Mais on avait quand même 3 observations majeures qui sont très importantes. La première, en fait, ça a été de montrer que, quels que soient les fleuves où on est allé, on a trouvé des plastiques partout. Donc, on va dire que 100% des fleuves sont contaminés par ces plastiques. Où qu'on soit allé, vous avez vu à la sortie des fleuves, à l'entrée du fleuve ou en dessous, au-dessus d'une grande ville, partout on trouve du plastique, malheureusement. La deuxième mauvaise nouvelle, et ça, c'était vraiment une mauvaise nouvelle à laquelle on ne s'attendait pas, c'est que
la majorité des plastiques qu'on a trouvés étaient déjà sous forme de microplastiques, c'est-à-dire ces tout petits morceaux de plastique qui sont la taille d'un grain de riz. Et ça, en fait, c'est une mauvaise nouvelle parce que si on voulait nettoyer les fleuves, par exemple, ben, on ne pourrait pas parce que c'est trop petit. Et donc là, du coup, ben, ça veut dire qu'on a une pollution quasiment invisible et qui est très, très, très difficile à s'occuper. Et c'est pour ça que tout de suite, derrière ça, on va dire, ben, les solutions, elles ne vont pas se trouver en mer, elles ne vont pas se trouver dans les fleuves, elles vont se trouver encore en amont, elles vont se trouver au niveau de la pollution. Il faut réfléchir avant, en fait. On ne pourra pas nettoyer les fleuves, ça c'est évident, puisqu'on a trop de microplastiques. La troisième conclusion qu'on a pu avoir tout de suite, parce que les laboratoires se sont tout de suite mis en marche, c'est qu'on a pu montrer aussi que ces microplastiques, eh ben, en plus d'avoir des additifs à l'intérieur qui sont des produits chimiques qui vont être mauvais pour les organismes, en plus de ça, eh ben, en fait, on s'est rendu compte que c'était vraiment des éponges à polluants. Et dans les 10 fleurs en fleuve sur lesquelles on est allé, on a pu voir différents polluants qui s'accrochent sur ces plastiques. Malheureusement, ces microplastiques ils vont être ensuite ingérés par les organismes et ça va être des polluants en plus qui vont manger en plus des plastiques. Voilà, je vais laisser la parole à Laila maintenant qui va nous parler un petit peu plus de ce qu'on va faire dans les laboratoires. Donc, comme vous le disiez, Jeff, on a eu beaucoup, beaucoup d'échantillons. L'idée maintenant, c'est d'essayer de vraiment avoir des données sur les différents types de plastiques, comment on va pouvoir les identifier, quelle est la vie qui s'est développée, on va pouvoir essayer d'identifier tout ça. Et puis, au niveau de la Terre, ce dont on avait besoin, en fait, c'est d'avoir un protocole standard, c'est-à-dire une méthode que tout le monde pourrait utiliser et qui nous permettrait de vraiment estimer cette pollution de la même manière, quel que soit l'environnement où on était. Et puis, également, d'aller plus vers ces questions de biodégradation, d'essayer d'identifier des bactéries qui seraient capables de vraiment réaliser ce travail. Et donc, et d'aller même encore un peu plus loin pour essayer de réellement trouver les meilleures solutions face à cette pollution plastique. Donc, première étape, mieux quantifier. Donc, on a besoin de mettre en œuvre en fait un protocole au niveau européen qui permettrait de réellement pouvoir comparer toujours de la même façon. Donc, il faut vraiment que tout le monde travaille exactement avec les mêmes procédures. Et pour ça, en fait, on met en place des tests, on essaye de vérifier que tout le monde travaille bien de la même façon, que tout le monde identifie les déchets plastiques de la même façon pour être ensuite rentré dans des bases de données et ce qui servira par la suite à ce qu'on appelle des experts de l'environnement qui permettent d'avoir des données réelles, des données de qualification de cette pollution. Donc, vous avez ici, en fait, des protocoles qui ont été testés sur différentes plages et différentes berges, puisque là, c'était la nouveauté, c'était vraiment de rentrer en fait dans les rivières et dans ces fleuves. Et donc, on a pu mettre en place ce qu'on appelle un protocole européen. Donc aujourd'hui, c'est le protocole OSPAR qui est le plus proche en fait de celui qu'on a pu mettre en œuvre et qui nous a permis sur ces 9 fleuves de réellement essayer de quantifier en fait cette pollution plastique exactement de la même façon. Donc, on a trié en fait des gros déchets, c'est ce que vous avez ici dans le diaporama, mais on a également des petites zones qui ont été ciblées sur ces plages sur une longueur de plus de 100 mètres. Et dans lequel on a récupéré tous les microplastiques afin d'avoir des données de quantité, mais aussi après au laboratoire de réussir à les identifier parce qu'on a besoin d'essayer de savoir si on retrouve plus ou moins une forme de plastique. Est-ce qu'il y en a certains qui sont plus concentrés dans l'eau, plus utilisés en fonction des pays, et ce qui nous permettra dans la suite de mieux comprendre si les politiques qui vont être mises en œuvre qui permettraient de limiter cette pollution, est-ce qu'elles seront efficaces. Donc, on a besoin d'avoir quelque chose qui est standardisé dans tous les pays. Donc, au niveau européen, voire même plus, parce que l'idée, c'est d'avoir quelque chose qui serait presque mondial et qui nous permettrait, en fait, à terme, de mieux quantifier cette pollution. Donc, ça, c'est le travail qu'on a effectué pendant la mission Microplastique 2019, mais c'est un travail qui est encore en train d'être réalisé par la Fondation Tara et auquel on participe et qui s'appelle Plastique à la loupe et qui a pour but d'encourager de la science participative, c'est-à-dire des écoles qui vont réaliser ce protocole-là et avec lequel on aura encore plus de données et ce qui nous permettra encore en fait, d'avoir une vision en fait, de la pollution plastique dans les différents endroits à peu près au même temps. Notre deuxième étape, ça a été d'aller cette fois-ci vers l'identification de différents types de bactéries cette fois-ci. Donc, on recherche en fait des bactéries qui seraient réellement capables en fait de dégrader les plastiques. Donc, ce serait des super outils pour la suite puisque ça nous permettrait de diminuer en fait cette pollution. Et donc, pour ça, on travaille donc sur l'identification. On essaie de savoir est-ce que certaines bactéries sont tout le temps associées au plastique. Est-ce qu'elles sont capables, est-ce qu'on peut essayer de les isoler, les faire pousser. Et est-ce qu'on pourrait les remettre en contact avec le plastique pour les biodégrader?
Et ça nous permet également en laboratoire de traiter de la question des plastiques biodégradables, c'est-à-dire on essaye avec différents types de bactéries de vérifier que les plastiques aujourd'hui nommés comme biodégradables et qu'on trouve un peu partout, de vérifier qu'ils sont réellement biodégradables en milieu marin. Donc ça, c'est ce qu'on réalise dans le laboratoire et en particulier chez Plasticati, et on teste tous ces plastiques-là. Et notre étape encore supérieure, c'est de vérifier que durant ce processus de biodégradation, est-ce que oui ou non, on va avoir un effet de toxicité ? Est-ce que ces plastiques, s'ils deviennent tout petits, est-ce qu'ils peuvent devenir, ils peuvent devenir toxiques pour des organismes marins ? Et ce qui va nous intéresser encore plus, et en particulier pour nous, ça va être de savoir si ce que nous mangeons est contaminé potentiellement par des plastiques et combien on peut trouver, par exemple, dans une moule. Et est-ce qu'il est possible, par exemple, d'utiliser ces moules pour mesurer la pollution plastique dans la mer ? Et c'est ce qu'on a fait également pendant la mission Microplastique 2019. Donc, on a installé, vous voyez, ces sortes de NAS sur chacun de nos estuaires. Et on a mis des moules à l'intérieur, en plus d'avoir mis des plastiques, pour essayer de les utiliser comme des bouches ouvertes sur l'océan qui seraient capables, en fait, d'accumuler dans leur tissu ces microplastiques. Et aujourd'hui, on travaille dans notre laboratoire pour essayer de savoir combien ils ont été capables d'accumuler, en fait, bioaccumuler ces de petites particules. Est-ce qu'on peut faire le lien entre la quantité trouvée dans ces organismes-là et la quantité qui sera mesurée directement dans l'eau au moment où le bateau Tara était, où la goélette Tara était venue échantillonner. Donc l'idée, c'est de vraiment tester, en fait, d'abord, s'il y a eu des effets sur ces organismes-là et aussi de savoir si sur cette bioaccumulation de ces organismes-là, est-ce qu'on pourrait les utiliser pour quantifier la pollution plastique en milieu marin. Une autre idée aussi, c'est de savoir s'il est possible de potentiellement identifier des zones où il y aurait moins de microplastiques et donc ce qui serait des zones qui seraient favorables, par exemple, pour la conchyliculture, c'est-à-dire la production en fait, de ces organismes-là. Et qui permettrait en fait de favoriser, d'avoir des meilleures qualités en fait de ces organismes que nous mangeons. Puisque dans un plat de moule, on peut avoir jusqu'à 300 particules de plastique dans une portion de moule. Donc c'est des choses qu'aujourd'hui qu'on suit de plus en plus pour savoir quelle est la quantité de plastique qui va se retrouver dans notre assiette finalement à la fin, comme c'est le cas pour les poissons déjà aujourd'hui. Et puis, nous avons également, le but, c'est d'augmenter cette base de données qui a déjà été commencée par Tara grâce à toutes les expéditions qu'elle a menées un peu partout. L'idée, ça va être de combiner aujourd'hui les données du plancton qui avait été déjà été réalisé en lien avec d'autres micro-organismes, avec des données plus liées, par exemple, au plastique cette fois-ci. L'idée, c'est de savoir comment en fait, ces plastiques vont interférer dans ces grandes communautés. Et est-ce qu'elles vont changer des choses ou est-ce que en fait elles vont être juste une addition en fait et créer un nouvel environnement potentiellement à côté du plancton qui lui est normalement présent déjà dans nos océans. Donc l'idée ça va être vraiment d'augmenter en fait la biodiversité, la mesure de la biodiversité qui a été mesurée aujourd'hui. Et encore beaucoup de travail, ça c'est très clair. Comme disait Jeff, on vient de rentrer en fait finalement. Là, on est un peu en mode pause durant le confinement, mais on a énormément de données aujourd'hui qu'il va falloir analyser. Donc vous avez vu qu'il y a plus de 15 laboratoires qui sont impliqués. On est tous en train de travailler sur ces données-là. Donc chaque laboratoire a sa propre spécialité, donc on travaille sur un échantillon, mais chaque laboratoire, une fois qu'il a fini de travailler sur cet échantillon, il va transférer cet échantillon dans un autre laboratoire et des nouvelles analyses vont continuer à partir du même échantillon, ce qui nous permettra à la fin d'obtenir en fait une base de données extrêmement intéressante et qui sera extrêmement complémentaire puisque chaque chercheur ne fournit pas la même information, ce qui nous permettra d'avoir une vision réellement complète de l'impact de ces plastiques sur l'environnement et de leur potentiel de venir et de leur origine également. Et je vais céder la main à André. Merci Léla, je vais prendre la suite pour quelques réflexions sur comment la société est en train de prendre des positions sur cette question de la pollution plastique, comment les institutions, l'Europe, la France, est en train de s'attaquer à cet enjeu.
Donc, très rapidement, quelques chiffres sur la prochaine slide. On est dans une situation encore très nouvelle. Il faut toujours rappeler que la pollution plastique est un phénomène récent, un phénomène qui a explosé au cours des derniers 30 ans, 50 ans, peut-être pour les pays plus développés, et qui est une pollution nouvelle qu'il faut comprendre. Et il faut aussi rappeler que l'économie circulaire qu'on appelle de nos voeux, donc, il faut accélérer, mais elle n'est pas encore là. C'est-à-dire qu'en France, on trouve encore en France 140 millions de bouteilles plastiques qui finissent leur vie dans la nature par an. Il y a encore entre 20 et 25% des emballages plastiques qui sont recyclés seulement. Et donc, il y a encore du chemin à parcourir et on est en pleine réflexion sur ces méthodes. La question qu'on a vérifiée chez Tara, c'est que souvent, les politiques s'emparent de certaines questions de société, mais très souvent, ils n'ont pas la meilleure science disponible derrière. Donc, on a, par exemple, sur cette question plastique, depuis 15 ans que Tara travaille sur cet enjeu, depuis 15 ans que nous mettons des laboratoires ensemble au bord de la goélette pour collecter, pour analyser. Et depuis 5 ans, on a vu une explosion de cet enjeu sur la place publique. C'est-à-dire qu'enfin, la société s'est rendue compte que c'était un enjeu important. Des projets qui existent comme qui est celui qui étudie la grande gire de plastique du Pacifique Nord, ou des projets qui promettent de nettoyer tous les plastiques de l'océan ont vu le jour et ça a énormément contribué pour populariser cette question des plastiques en mer, sans pour autant que la complexité de cet enjeu soit dévoilée pour les grands publics. Donc ce qu'on fait depuis plusieurs années aujourd'hui, c'est vraiment essayer d'apporter plus de science à cet enjeu de société, à essayer d'apporter vraiment, comme font Jeff et Leila en ce moment, de la connaissance quantitative, hein, la connaissance scientifique quantitative, pour essayer d'éclairer la bonne décision politique. Donc, les objectifs européens, les objectifs français doivent être basés sur la meilleure science disponible. Et ça, même ça paraît évident, dans la pratique, c'est pas souvent le cas. Dans la pratique, il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de décisions qui sont prises dans l'émotionnel, par opportunité, par manque de données des fois, par manque de synthèses scientifiques disponibles aussi. Donc, c'est une interface entre la science et la décision publique qu'il faut travailler, en fait, qu'il faut davantage structurer la participation des scientifiques dans les processus de décision publique, par exemple, sur la loi anti-gaspillage pour l'économie circulaire en France, qui est en cours en ce moment. En ce moment même, nous sommes sur la définition du décret d'application de la loi anti-gaspillage et pour l'économie circulaire en France. Et est-ce que la bonne décision sera basée sur la science? Ce n'est pas souvent le cas, malheureusement. Et donc, ce sont des passerelles qu'il faut encore structurer, qu'il faut pérenniser, qu'il faut... favoriser vraiment ces dialogues entre les chercheurs comme Jeff, comme Leila et les gens qui sont là dans le ministère de la transition écologique et solidaire concrètement en train de définir des décrets d'application pour cette loi ou encore une entreprise qui souhaite faire le pas faire les pas pour la réduction de ces emballages plastiques, par exemple, ou sur la suppression dans des plastiques. Hein. N'oublions pas que les plastiques, c'est vraiment au pluriel, hein. Il y en a beaucoup, beaucoup, et ils se comportent différemment. Donc, c'est pour ça aussi qu'on a besoin de plus de sciences. Mais donc, il y a tout un travail pour faire le pont, pour ramener, pour faire redescendre cette science fondamentale à la fois chez les décideurs publics, hein, le ministère, l'Europe, l'ONU, ce qui avance très lentement. Souvent, on est très agacé parce que ça avance pas assez vite comme on veut. Souvent, les grands publics, il est très, très, très en colère. Hein, quand on voit des objectifs sur 2040, ça nous semble la fin du monde, ça nous semble inacceptable. La fin des plastiques en 2040, c'est trop loin. Mais si on parle avec des entrepreneurs, avec des industriels, on voit bien que c'est des échelles de temps pour la transition qui sont nécessaires. Donc, il y a un vrai travail de pousser cette science
à la fois vers les décideurs hein, pour qu'ils aient la bonne information et qu'ils soient éclairés par la vraie science, et à la fois auprès des acteurs de l'économie qui ont besoin de la science pour se projeter. Donc, par exemple, on cite l'exemple du PVC. Du PVC qui a été pointé du doigt. Il y a eu un effort énorme pour substituer le PVC. Aujourd'hui, à part sur le BTP, on y arrive. Mais en tout cas, toutes ces mesures, elles sont à terre. Elles sont avec l'amélioration de la collecte, des taux de recyclage, des gestes et des tris. Ça se fait auprès des industriels pour qu'ils réduisent leurs emballages jetables, pour qu'ils suppriment les plastiques à basse densité qui sont difficilement recyclables, qu'ils réduisent la complexité, le nombre de résines dans un emballage. Il y a un travail qui a été fait, qui est en train d'être fait par Tara avec un industriel, par exemple, qui veut réduire drastiquement le nombre de résines dans un objet qu'il met sur le marché. Ça, c'est essentiel pour améliorer la recyclabilité de ces objets. Aussi, il y a toute la question de l'éco-conception pour les emballages sans plastique. C'est tout à fait possible pour de nombreux produits de substituer le plastique pour le papier, par exemple, de supprimer quelques résines comme le PSE, le polystyrène expansé, qui est difficilement recyclable, qui n'a pas de valeur économique, qui a un impact sur la biodiversité qui serait plus important que d'autres. Donc, il y a tout un travail à terre, en fait, pour construire cette économie circulaire. Et ce qu'on voit avec Tara, c'est que le monde de l'économie circulaire ne prend pas assez en compte l'océan, n'écoute pas assez les résultats de ses recherches. J'ai participé récemment dans un comité de pilotage de la loi économie circulaire, par exemple, et Tara était le seul acteur qui a cité les mots nature ou biodiversité. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des industriels, avec des experts de recyclabilité, de résine, etc. Mais on fait tout ça quand même pour diminuer l'impact sur la nature, pour in fine diminuer le nombre de plastiques qui finissent dans l'océan. Donc, il est essentiel qu'on regarde, qu'on écoute ce qu'ils disent les chercheurs qui sont en train d'étudier l'impact de ces plastiques sur l'océan pour prendre la bonne décision. Donc, en gros, c'est comme ça qu'on essaie de travailler. Nous sommes aujourd'hui présents dans les instances de prise de décision en France. Heureusement, on a le pacte national sur les emballages plastiques. C'est un travail avec des industriels qui veulent réduire le nombre d'emballages. On a un travail au sein de cette loi économie circulaire. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de chaque loi, de chaque instance de décision publique, mais c'est juste pour vous donner quelques exemples du besoin de créer ces passerelles et de ramener davantage d'informations scientifiques consolidées à ces prises de décision qui peuvent être au niveau européen, au niveau français ou même au niveau d'une entreprise qui a envie de changer mais qui ne sait pas comment, qui ne sait pas quelles sont les résines qui sont plus vertueuses que d'autres. Donc, il y a tout un travail de science to policy, comme on dit en anglais, de science à la décision publique qu'on essaye de faire et que quand les données seront publiées, une fois que les données sont publiées, on a vraiment des bases plus solides pour amener ces données consolidées dans la décision publique. Donc, plusieurs choses. Bien évidemment, il y a le côté du changement d'approche citoyen, hein, du déchet, de l'emballage, mais il ne faut pas tout mettre sous les épaules du geste de tri. Donc, c'est important d'éviter de rentrer dans les discours qui culpabilisent l'usager, hein, qui met tout sur le dos du citoyen qui ne trie pas assez, qui ne trie pas bien, qui ne fait pas bien sa poubelle jaune. On sait bien qu'il y a bien sûr la question de la conscience citoyenne du geste de tri qui est importante, mais il y a un grand changement au niveau des modes de production, des modes de transport, des modes de distribution de l'alimentaire dans les supermarchés, par exemple. Il y a un grand changement industriel et dans l'économie, hein, comme en tout, ce qu'on appelle l'économie circulaire, mais qui reste assez technique des fois, assez loin de ce que nous pouvons faire pour aider. Donc, il y a tout ça qui a besoin. Il y a les gestes des citoyens. Il faut accompagner les citoyens, bien sûr, pour qu'ils fassent les gestes de tri, pour qu'ils consomment de façon responsable. Mais il y a aussi le travail avec la décision publique qu'on essaie de faire.
Donc, on va finir là-dessus. On va vous écouter un peu en précisant que la fondation est bien entre tous ces univers-là. Tara essaye de porter sa science pour les citoyens, pour le grand public, pour les écoliers, mais aussi pour les décideurs et pour les secteurs privés aujourd'hui, particulièrement sur cet enjeu de plastique. C'est très important qu'il y ait un forum multi-acteurs, qu'il y ait tous les acteurs qui se réunissent pour cette transition qui doit s'accélérer. On ne peut pas attendre 2040, on est d'accord, mais des fois, si on n'a pas la science, si on n'a pas les méthodes de substitution, si on n'a pas des questions sanitaires compliquées, on voit avec la crise du COVID, il y a un retour de bâton maintenant des plasturgistes qui disent que le plastique, c'est essentiel pour assurer l'hygiène. Oui, mais c'est important dans cette période qu'on vit aujourd'hui, que le coronavirus ne soit pas un argument pour des retours en arrière, pour des step back des décideurs. On voit là quelques risques d'un nouvel argument pour l'économie du plastique, pour l'économie fossile, en disant la crise économique, la crise sanitaire, donc on arrête tout, on retourne comme avant. Pas du tout. Il faut pas laisser les coronavirus comme un argument pour qu'on retourne à l'économie d'avant comme si rien n'était. Il faut continuer la transition. Il faut continuer à chercher les plastiques biodégradables de nature. Il faut continuer à réduire l'emballage. Et si le plastique, il est certes important, on voit avec nos masques, nos gants, etc., dans une crise sanitaire, il peut aussi être vecteur de transmission des bactéries, des pathogènes, comme j'ai fait bien montrer. Donc, la question est complexe et aujourd'hui, on essaye de porter cette science à service des décideurs aujourd'hui. Et c'est plus que jamais important dans ce moment où il y a grand investissement qui se profile pour faire face à la crise économique. Il faut que ces investissements soient vertueux, ils entament la transition écologique et pas l'inverse. On ouvre maintenant à vos questions. Donc alors, on a une question de Julie qui demande à quelle profondeur nous faisons les prélèvements en bord de Tara. Est-ce que vous entendez? Oui, on a entendu. Je me demandais si c'était Laila qui l'a fait. En fait, on les fait en surface parce que les plastiques, la plupart vont flotter. C'est une limitation parce qu'on sait que ça représente pas forcément tous les plastiques, mais on a choisi en fait sur cette expédition d'aller faire les prélèvements en surface. Après, il y a d'autres travaux qui ont déjà montré qu'il y avait des plastiques dans le fond des océans. Il y en a énormément. Il y en a beaucoup dans le fond des fleuves aussi. Mais sur cette expédition en particulier, on pouvait pas tout faire, donc on a fait que les prélèvements en surface. Ce qui représente déjà beaucoup d'échantillons. Et par contre, on a en plus de des prélèvements d'eau, on a également fait des prélèvements à terre, donc sur des berges, à la sortie des plages. Et on a essayé d'amonceler toutes ces données sur les 9 plus grands fleuves, donc ce qui fait déjà énormément de données. En fait. Ok. On a une deuxième question de Guillaume qui demande est-ce que les protocoles plastiques à la loupe sont déjà disponibles en téléchargement et comment les données sont-elles répertoriées? Est-ce qu'il existe une base de données collaborative? Alors, on est vraiment en train de travailler là-dessus cette année. C'est un peu l'année pilote pour nous. On a mis au point un protocole qu'on est en train de valider avec plus de 60 classes en France. Donc, ils sont allés sur les berges près des fleuves, près de chez eux ou près des rivières ou même sur les plages. Le protocole, on a décidé de ne pas le mettre en ligne tout de suite parce qu'on veut être sûr en fait que le protocole est bien en place. Et il est prévu en fait de le mettre à disposition. Bon, il est déjà à disposition des écoles partenaires. Et l'année prochaine, en fait, on s'attend à avoir 300 classes. Donc, on va améliorer un petit peu parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a certaines questions qu'on posait ou la façon dont peut-être on avait fait le protocole qui n'était pas forcément simple à faire pour tout le monde. Donc, on va optimiser ce protocole. C'est l'objectif de cette année. Et à partir du mois de septembre, on pense qu'on aura un protocole bien calé qui sera adaptable ensuite à plein de classes. Et il suffit d'aller voir sur le site internet et de contacter les personnes qui s'occupent de plastique à la loupe, donc sur le site internet de Tara. Et s'il y a des écoles qui veulent participer, il faut aller les solliciter. Et ça permettra d'augmenter une base de données gigantesque et après d'avoir une sorte de cartographie de l'ensemble de ces données
Et du coup, les gens pourront même suivre l'évolution en fait, de la pollution si cette action participative est maintenue dans le temps, qui permettra également, si jamais il y a un changement lié aux consommateurs ou même lié aux lois, de voir si ce changement a des effets directement sur ce qu'on peut observer aujourd'hui sur les berges. Super. Alors, je vois qu'on a une personne qui a levé la main. Donc, Blandine, je vais te donner la parole. Blandine, est-ce que tu nous entends? Oui, je vous entends. Vous m'entendez aussi? Oui. Donc en fait, j'avais aussi une question sur plastique à la loupe, mais Guillaume a posé la question avant. Et du coup, je me demandais aussi, vous parlez souvent de l'impact sur l'océan. Donc, est-ce que vous avez réalisé aussi des études, notamment sur l'impact sur la biodiversité, mais dans les rivières, enfin l'impact de cette pollution plastique dans les rivières, quoi, et pas seulement l'impact sur l'océan? Alors aujourd'hui, il y a déjà eu des études qui ont été faites sur différents organismes qu'on nomme aquatiques, c'est-à-dire qu'on trouve dans les rivières facilement. Donc on sait déjà que les plastiques sous différentes formes et différents types de plastiques peuvent avoir des effets extrêmement importants sur des organismes qui vont, en fait, en fonction de la taille, hein, ils vont se retrouver à l'intérieur de leur système digestif. Donc ça va créer ce qu'on appelle en fait un blocage du système digestif. Donc ça va empêcher ces organismes-là de se nourrir de manière normale. Et à terme, ça peut toucher leur croissance, leur reproduction, leur système immunitaire, leur système de développement cellulaire. Donc, ça peut avoir des impacts extrêmement forts en fait, sur ces organismes-là. Et quels que soient ces plastiques, comme ces plastiques sont capables de se fragmenter, ils vont avoir des accès, mais ils vont avoir des impacts à tous les échelons, finalement, de la chaîne alimentaire. Donc, que ce soit du tout petit ou du très, très grand, finalement, on va avoir ces effets physiologique important sur du tout petit, même jusqu'aux baleines, puisqu'on a pu voir des baleines échouer avec 44 kilos de plastique dans leur système digestif. D'accord. Parce que, je suis désolée, je continue. J'ai fait En fait, je travaille dans une association de culture scientifique et technique, donc avec des enfants de tous les âges. Et je m'intéresse aux microplastiques et à faire des prélèvements avec eux de microplastiques sur les rivières. Donc des petites rivières, on va dire, hein, ces petites rivières des Vosges, donc on est très loin des grands fleuves. Et sur les premiers prélèvements, on a trouvé énormément de microplastiques, notamment des fibres et des mousses et des petits films plastiques. Et c'est pour ça que je m'intéressais aussi à plastique à la loupe et à ce que vous faisiez. Mais je crois que vous travaillez essentiellement sur les plastiques sur les berges et pas forcément sur des prélèvements de microplastiques et de suite séparation, notamment avec des collégiens, la séparation des microplastiques ou le prélèvement de microplastiques en soi, quoi. Dans la collecte, en fait, l'idée, c'est d'avoir des gros déchets, mais également des tout petits. Donc, on s'intéresse aussi aux microplastiques, puisque de toute façon, on va pouvoir, lié en fait aux variations en fait, des débits d'eau dans ces rivières-là, vous allez pouvoir même sur les berges retrouver les microplastiques qui sont normalement dans l'eau, en fait. Donc, ceux qui flottent, vous pouvez les retrouver partout, en fait, sur les berges. Vous pouvez avoir et des gros déchets comme les tout petits. Je vais vous arrêter pour qu'on continue. Il y a plein de questions qui fusent là. Merci, Blandine. On va prendre une autre question. Alors, on a une autre question de Jean-Louis qui demande si on a étudié le GIR du canal de Corse lors de la mission en Méditerranée. Alors, je ne sais pas si c'est la dernière mission ou Terra Méditerranée. Oui, en fait, j'avais la chance d'être à bord à ce moment-là. Et effectivement, il y a des gyres. Alors, les gyres, pour tout le monde, en fait, c'est comme des petits vortex, c'est des zones de courant, en fait, qui tournent. Et d'habitude, en fait, on a tous les déchets flottants, comme du bois. Mais c'est surtout dans ces endroits-là qu'on trouve beaucoup de plastique. Alors, en Méditerranée, la plupart des gens connaissent le gyre du Pacifique Nord, qui est très, très grand, qui est très, très stable. En Méditerranée, les gyres sont beaucoup moins stables. Donc, il y en a un en Corse, il y en a un au nord des Baléares, par exemple, où on a l'habitude d'aller travailler. Et effectivement, en 2014, on est allé dans les gyres qui est près de la Corse. Là. Et c'est effectivement dans ces endroits-là où on a des quantités de plastique qui sont particulièrement importantes. Les quantités de microplastiques sont les plus importantes, évidemment, près de la côte, mais c'est dans ces gyres qu'on en trouve aussi également beaucoup. Alors, je vais prendre trois dernières questions et après, on va terminer notre webinaire. Donc, on a une question d'Antoine qui dit « J'ai bien compris que la solution est à terre, mais existe-t-il des projets de solutions pour récupérer ces micro-nanoplastiques dans les océans?
Sinon, tous ces plastiques déjà déversés resteront-ils en mer pour toujours? Alors la réponse, elle est assez catastrophique et il faut bien que tout le monde l'entende pour bien comprendre l'impact que ça a. En fait, il est impossible d'aller récupérer les plastiques qui sont dans l'océan. On sait qu'un plastique, sa durée de vie à peu près, ça va être entre 100 ans et 400 ans. Donc ça veut dire que c'est foutu. Tout ce qu'on a envoyé en mer aujourd'hui, on ne peut pas le récupérer. Et c'est malheureusement pour les générations futures. Donc les processus de dégradation biologique, on les connaît parce qu'on travaille beaucoup au laboratoire. Ils sont extrêmement lents. Donc il ne faut pas imaginer en fait que la nature, face à ce déchet qui... En fait, le problème de départ, c'est qu'on a voulu utiliser un plastique qui est durable pour des choses qui ne sont pas durables. Et malheureusement, en fait, c'est les plastiques à usage unique, comme les autres, en fait, ils vont durer très très longtemps. C'est essentiellement ceux qu'on retrouve en mer. Et malheureusement, on ne peut pas les nettoyer. Donc les solutions aujourd'hui, maintenant, quand on dit que les solutions sont à terre, c'est vers le recyclage. Mais on sait que le recyclage, il n'est pas forcément très très bon. L'objectif, en fait, c'est le meilleur des plastiques, c'est celui qu'on ne consomme pas. Et ensuite, si on essaie de consommer du plastique, il faut penser différemment. Aujourd'hui, quand on voit les masques à usage unique qu'on est en train de produire, pourquoi produire des masques en plastique dont on sait en fait déjà qu'on voit qu'ils se retrouvent en mer? On a des images à Hong Kong, on a des images en Italie où il y a énormément de ces masques qui sont faits en plastique à usage unique, alors qu'en fait, on est capable de faire des plastiques de matière. Et on peut tout de suite réfléchir à la conception d'objets à usage unique qui peuvent être faits d'autres manières, donc par du coton, par des matières qui sont biosourcées. Et ça, c'est tout le travail que fait Laila. Je vais laisser un tout petit mot parce qu'il faut qu'on prenne d'autres questions, mais notamment dans son laboratoire avec Plasticati, là où il teste la biodégradabilité des plastiques en mer. L'idée, c'est de trouver des nouvelles alternatives, en fait, face aux plastiques qui sont conventionnels et en fait qui ne vont pas se biodégrader. Donc en fait aujourd'hui on sait qu'on peut trouver des fibres naturelles, alors animales, végétales, qui seraient capables des fois de faire le même travail qu'un plastique classique. Et puis après on peut même avoir certaines transformations de ces fibres naturelles pour en faire des fibres artificielles, mais selon des procédés qui sont avec un impact moindre en fait, où on peut faire du recyclage, on peut retrouver à la fin en fait une fibre qui serait artificielle et qui permettrait par exemple de fabriquer des masques, mais qui aurait un impact très inférieur par rapport à ces plastiques à usage unique qui se retrouvent aujourd'hui sur nos plages. Donc l'idée, c'est pour nous de proposer des idées et ensuite on va vérifier, c'est-à-dire qu'une fois que le masque il est fabriqué, on teste et on vérifie que ce plastique-là, lorsqu'il se retrouvera en milieu marin, il serait, ou dans le compost, il serait dégradé et il disparaîtrait avec un impact quasiment nul. Ok, eh ben, merci beaucoup. Je pense que j'allais vous poser deux autres questions, mais en fait, avec les réponses que vous venez d'apporter, vous venez déjà d'y répondre. Donc c'est bon pour ces questions-là. Pour les autres, on est désolé, on ne va pas pouvoir répondre à toutes les questions actuellement. C'est un sujet super intéressant et on pourra en parler pendant des heures. On vous invite à vous renseigner aussi sur notre site et à suivre nos actualités sur notre site, sur nos newsletters. C'est un sujet dont on parle assez souvent. Et la recherche continue, notamment par rapport à cette mission microplastique menée il y a presque un an déjà. Un dernier petit mot pour conclure. Merci déjà à vous d'avoir suivi ce webinaire. Si ça vous intéresse, on en fera un la semaine prochaine. Donc jeudi prochain à 17h30, en présence du biologiste Samuel Chaffron et de Romain Troublé, donc directeur général de la Fondation, et ça portera sur la biodiversité marine, une biodiversité majoritaire et invisible, celle du plancton, et le lien avec l'intelligence artificielle. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vais laisser le mot de la fin pour André, Leila et Jeff. Oui, je commence peut-être, Jeff, je vais laisser la parole à la science en dernier. Juste dire que la mobilisation du public est très importante sur ces questions de plastique. On en voit depuis quelques années. Et c'est important que cette mobilisation soit sur des bases réalistes, soit sur des bases des transformations qui sont faisables pour notre société. C'est pour ça qu'on dit que les solutions sont à terre. Aller nettoyer la mer, c'est pas réaliste. Zéro plastique demain, c'est pas réaliste non plus.
Donc, il s'agit bien d'une transition. Il s'agit bien d'une transition qui nécessite des orientations précises de la part de la science, c'est ce qu'on essaie de faire. Donc, on est dans un moment clé. On a 10 ans pour changer. On va essayer de s'y coller. Bon, moi, j'espère qu'on ira plus vite que 10 ans, hein, parce que je reste une grande optimiste. Et en tout cas, on peut dire que la situation fait qu'aujourd'hui, tous les voyants sont au vert. Je pense que tout le monde se rend bien compte qu'on a besoin de changer la façon dont on utilise le plastique, qu'il existe des solutions, qu'on peut les tester, qu'on peut trouver finalement des alternatives. Et ça, aujourd'hui, les industriels, ils en sont bien conscients. Les politiciens sont également conscients de la nécessité de devoir faire quelque chose, de l'impact très fort que nous avons aujourd'hui sur la biodiversité. Et du coup, des effets que ça pourra avoir également sur notre santé. Puisque si nous mangeons des organismes qui mangent des plastiques, finalement, nous mangeons également le plastique et nous sommes aujourd'hui impactés en fait par cette pollution. Je pense qu'on se rend bien compte tous qu'on a besoin de changer en fait notre façon de consommer et nos usages. Finalement, le plastique, c'était un matériel qui était extrêmement intéressant. On s'est juste trompé en le mettant aujourd'hui pour des usages uniques en particulier. Il faut revenir un tout petit peu en arrière et faire que finalement, on ait des possibilités d'utiliser ces matériaux qui sont extrêmement intéressants, plus des nouveaux qui seraient biodégradables dans le temps et qui nous permettraient en fait de respecter des règles d'hygiène et de faire que cette pollution disparaisse dans le temps le plus rapide possible. Allez, c'est mon tour. Moi, je dirais pareil, en fait, que globalement, on est hyper optimiste, mais que la science est en retard, que les politiques sont en retard, que les industriels sont en retard et que la plupart du temps, en fait, ça va être dans les mains du consommateur que ça va aller encore plus vite. C'est un choix de tout va se passer au magasin, en fait. Vous vous rendez compte que quand vous revenez du magasin, il y a énormément d'emballages dans vos sacs. C'est le choix du magasin et le choix des produits qui va faire la différence avant en fait que les scientifiques inventent des nouveaux plastiques, avant que la législation arrive à interdire tous les plastiques petit à petit à usage unique et avant que les industriels prennent le pas derrière. Mais en tout cas, ça avance et on est vraiment dans cette transition plastique. Donc, on est super content nous d'être acteurs de ça. Et Tara est vraiment un super acteur là-dedans parce qu'il agit à tous les niveaux. Voilà pour le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Au revoir. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.